En fait, je crois que j'ai jamais décidé de devenir artiste. Très petit, j'étais à l'écoute du monde. J'entendais vraiment des choses, puis j'aimais voir les couleurs, sentir les odeurs. Et j'avais la chance d'avoir un grand jardin là où j'habitais, et mes parents nous amenaient souvent dans la nature. Et je crois que l'immersion dans la nature a développé chez moi un appétit pour le son, pour la lumière, pour des choses qui me dépassaient et que je trouvais fantastiques. Officiellement, je suis un compositeur, je suis inscrit à la SACEM, je fais des musiques de films, de jeux vidéo, des installations. Mais quand je fais une installation, est-ce que je suis plasticien? Est-ce que je suis compositeur? Est-ce que je suis électronicien? C'est difficile de répondre à ces questions-là. D'ailleurs, j'essaie d'éviter d'y répondre. J'ai eu la chance d'avoir dans les mains les premiers ordinateurs avec lesquels on pouvait faire de la musique. Il y a tout un monde de sons qui existe et on a la chance, à notre époque, de pouvoir avoir l'informatique qui nous ouvre des horizons encore plus vastes. Alors, je travaille très souvent dans la nature. J'enregistre dans des grottes, sur des stalactites, des stalagmites. J'ai l'habitude de me promener un peu partout dans le monde. Et par hasard, je faisais une installation sur des harpes éoliennes et des orgues éoliens, c'est-à-dire des sons qui sont fabriqués par le vent. Et j'avais utilisé des bouteilles comme des ocarinas, en faisant une fente dessus, et elles produisaient du son. Et j'ai vu le reflet du soleil sur le sable qui traversait la bouteille, et ça faisait des couleurs, des reflets qui étaient fantastiques. J'en ai pris plusieurs, j'ai assemblé ça, et je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire. Je les ai découpés et ça a fait des fleurs. Et donc à partir de cette idée-là, j'ai approfondi le concept, et maintenant je fais des forêts de fleurs géantes qui font jusqu'à 6 mètres dans un projet qui s'appelle Flowers 2.0, qui a évolué en Digitalis aujourd'hui. Pour Flowers 2.0, je voulais créer une forêt hybride entre ce qu'on identifie comme étant naturel et quelque chose qui sort du cadre. Le fait qu'il y ait plein de fleurs différentes, pour moi c'est intéressant, c'est autant d'espèces. Donc en fait j'ai posé un cadre qui permet que la créativité des autres s'exprime, et plus les fleurs seront différentes, plus c'est intéressant pour le résultat final. Plusieurs notions qui sous-tendent Flowers 2.0. Il y a ce qu'on appelle l'upcycling, plus que le recyclage, c'est prendre des déchets et les transformer en quelque chose qui a une valeur supérieure aux déchets eux-mêmes. Donc Digitalis, c'est un peu ça, c'est on passe des fleurs 1.0 à des fleurs 2.0. On voit bien qu'elles sont faites avec des bouteilles, etc. Mais quand elles commencent à intégrer des ordinateurs, comme ça, des microcontrôleurs, elles savent qu'on est là, elles réagissent à notre présence d'une manière sonore, d'une manière visuelle. Finalement, on n'est pas loin de la science-fiction. Et donc, je vais travailler avec des milliers de gens pour fabriquer les circuits électroniques qui vont bien, pour que les fleurs puissent communiquer. Et par là même, ils découvriront un monde que j'ai mis longtemps à découvrir et qui, aujourd'hui, est une des clés de demain.